Et cette question de al-mufaraqa, la division, l'opposition, la lutte éternelle entre le bien et le mal a tendance à disparaître dans l'esprit de plusieurs musulmans qui répètent jour et nuit, nous sommes comme vous, il n'y a aucune différence entre nous. C'est seulement les extrémistes, les fondamentalistes, les radicaux qui sont différents. Et ce discours, croyez-moi, il est répété dans les universités, dans les cégeps, dans les lieux de travail. Il y a des gens qui prient avec nous. Lorsqu'on fait du'a, Allahumma sur l'islam muslim, ils disent Amin. Mais une fois qu'ils sont avec eux, ils leur disent on est avec vous. C'est seulement les autres. Nous n'avons rien à voir avec tes imams. Nous ne faisons pas partie de ces gens-là. Pour qu'ils soient acceptés. Ghazwat Badr. سماها الله عز وجل الله لي دوني كوم نو دون لو كوران يوم الفرقان يوم التقى الجمعان الله عز وجل فارق بين اهل الحق واهل الباطل c'est grave si les gens ne voient plus le vrai et le faux si les deux s'entremêlent il faut qu'il y ait al-mufasala al-mufaraqa il faut qu'il y ait cette opposition pour que les gens puissent la voir. Certains convertis me disent que leurs parents ne sont pas encore convertis et qu'ils espèrent que ce soit le cas. Mais il faut que ces gens-là puissent différencier entre les gens du vrai et les gens du faux. Si les gens du vrai supplient pour qu'ils soient comme les gens du faux, ils ne rendent pas service au message qu'ils prêchent. Et quand je dis qu'il faut avoir cette opposition, cette lutte, ce n'est pas par arrogance. Ce n'est pas pour prétendre être les dépositaires de la vérité et regarder les gens d'en haut. Wallahi, on le fait et en même temps, il y a un regard de miséricorde parce qu'on est triste que ces gens-là ne soient pas sauvés. Les musulmans ne sont pas comme Al-Yahoud qui se disent être le peuple élu. Les musulmans croient que Inna akramakum indallahi atqakum. Les plus nobles parmi vous sont les plus pieux. Donc nous, quand on dit qu'il faut qu'il y ait cette opposition, cette lutte, nous ne le disons pas par arrogance, pour dire qu'on est les gens du vrai. Mais Wallahi, on le dit parce qu'on aimerait que les autres le sachent et qu'ils se joignent aux gens de la vérité.